Pendant 25 ans, il a navigué sur tous les océans. Désormais, Raphaël Dinelli a choisi le ciel comme terrain de jeu. Cet ancien skipper a inventé un avion révolutionnaire qui vole grâce aux énergies propres. Nous l'avons suivi à La Roche-sur-Yon, entre son atelier et la piste de décollage. 100 000 avions décollent chaque jour. Ils sont responsables à eux seuls de 3% des émissions de CO2. Portrait vraiment écolo. Michaël Guilleux, Frédéric Mignard et Malcolm Girard. Il y a des portes qui donnent sur l'avenir. Allez, on se ressente sur la ligne. Et des hommes capables de tout pour les franchir. Raphaël Dinelli fait partie de ces rêveurs. Moi, quand je vais à Paris, je veux voir la Tour Eiffel. Ça fait plus de 100 ans que la Tour Eiffel existe. Je m'arrête partout, je regarde les rivets, je regarde tout. Je vois une fusée décoller. Je suis comme un gamin de 10 ans, quoi. Le genre prêt à tout risquer. On a fait des heures et des heures et des heures, des milliers d'heures au sol pour éviter d'avoir des pannes en l'air. Parce que c'est vrai qu'après une panne en l'air, c'est que le décrochage, le sol arrive très vite. Moteur. Vous êtes prêt à risquer votre vie pour ces projets? Ben oui, parce que c'est vraiment difficile à expliquer. Les mots sont difficiles à trouver, car la mort, il l'a déjà frôlé. En 1996, son bateau chavire. Il reste 36 heures debout sur les débris avant d'être secouru. Alors pourquoi continuer à risquer sa vie quand on est déjà un miraculé? Comme souvent avec lui, une partie de la réponse se trouve en mer. Quand on a vu au fur et à mesure que les icebergs se détachaient avec des détails aussi gros que le Stade de France, moi quand je me suis retrouvé la nuit un peu à la roulette russe, dire si j'ai un iceberg, je suis mort, après quand je suis revenu, j'ai dit ben maintenant ma vie, mon engagement, c'est de faire de la recherche et de l'innovation pour essayer de réduire tout ça, c'est tout. Cet ingénieur passionné d'innovation voulait trouver une solution. Voilà. Il va créer un avion. Il invente ses propres panneaux solaires, construit un monoplace volant à l'électricité, à l'hydrogène et aux huiles végétales. 9 ans plus tard, le voilà au départ d'un raid historique. Sur les traces de Saint-Exupéry, un siècle après le début de l'aéropostale. Bah non, mais t'attendais, moi, avec ton avion. Pour la première fois. Et lui, il fait comme ça, et moi, je fais comme ça, tu vois. Son avion va partir suivi de 70 autres aéronefs. C'est le premier raid avec un avion électrique et solaire. Lui ne fera que la première étape. Je vais essayer de monter, mais je vais monter très très lentement, voilà. 2 fois moins rapide que les autres, son avion n'est pas encore prêt pour voler jusqu'à Dakar. Peu importe, Raphaël veut être un pionnier. Il sait où il a mis les pieds. Ceux qui ont fait ça à la même époque, ils étaient dans l'innovation comme moi aujourd'hui, voilà. Et je ressens exactement ce qu'eux, ils ont pu ressentir à l'époque. Oui, il reste encore beaucoup de chemin. Avant de voir tous les avions voler comme le sien, enfin, pas de quoi le faire reculer. Cette excitation, cette peur, et c'est ce mélange entre la peur, l'excitation, la nouveauté, et ça fait un cocktail... Moi, je peux pas en passer, c'est comme si j'étais piqué avec ça, quoi, voilà. Mais je sais que ma vie, elle est là.